Donc avec des racines d'iris, on va pouvoir réaliser des colorations des coupes transversales. Donc pour réaliser des coupes transversales, on prend du sureau que l'on va couper en deux. On coince la racine d'iris entre les deux tranches de sureau. Ensuite, on va utiliser un microtome que l'on va utiliser comme ceci. Afin d'avoir des morceaux de racines le plus petit possible. Ces morceaux de racines, on va les mettre dans un microplane, qu'on va ensuite plonger dans du javel 20 minutes. Ensuite, on le passe au rinçage 1 minute fois 4, en changeant à chaque fois l'eau. Ensuite, on passe à l'acide acétique 4 minutes. Ensuite, au rinçage d'une minute. Après, on passe au carmino vert de Mirande 4 minutes. Et un dernier rinçage de 4 minutes. Ensuite, on fait les lames avec les lamelles. Donc, on les moine, ça donne ceci. On observe au microscope. Microscope. On obtient ceci avec le phloème et le xylème. Ici, le xylème et ici, le phloème.